أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة حيث يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا صدق الله العظيم سورة النور أيوة الحمد لله أم على تندوك على بركة الله قالوا بركة مامي على فنك أدام منو يا رجبي أم فنك أنك جوجو بركة ما ونتا ولكوسان أمين أدكرني أدم أدم فو dumuni ko cogoya kan parce que Allahu Ta'ala a b'a fɔ an ɲɛna kuranaba kɔnɔ a ko jurumi tɛ aw kan n'aw ka dumuni kɛ a kelen o kelen walima aw ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa o dumuni ni silama caman ma jate mɛ dumuni ko ka gbɛlɛ fɔ k'a dama tɛmɛ ladabu dɔw le bɛ yen an k'an ka dumuni k'o la o le kosɔn روي الإمام أحمد بسنده عن وحش أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال رسول لعلكم تأكلون منفرقين كيدون ننا على كرما أكو تبعا إكا يوم الدمنين كان غسوكنا أنتفا alakira tun ye docteur le ye a ko a ka ca la aw bɛ dumuni kɛ aw kelen kelen o le kosɔn ko a bɛ dumuni kɛ ko a tɛ fa alakira sɔlɔlɔ alayhi wa salam a ko ijtamiu ala ta'amikum
وَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ كُنِي أَوْ بِفَكَ دُمُنِكَ أَوْ نَادِمَيَا أَيْ لَجَنْ دُمُنِكُنَا نَابَنَا دُمُنِ دَمْنَ فَنَا أَيَا دَمْنَ نِي بِسْمِ اللَّهِ أَيَا لَا تَغَفَوْ أَكَنَا سِكِ دُمُنِ كُنَاتِي نَابَ دُمُنِكَ أَيْ بِسْمِ اللَّهِ فَوْ كَسَرَكَ دُمُنِ دَمْنَ كُو بَرَكَا بِدُو دُمُنِنَا وَلَكُسَنْ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا جميعا ولا تفرقوا فان البركه مع الجماعه كاي دومنيكه اجما كلوا كان فرفرا كوني جماعه بدومنيكه كو بركه بدوالا ولا كا بركه دوانيا دومنونا على موكلاي هناك آداب للاكل دومني فانا نيبي دومنيكه جوغو دولي بالا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياكل متكئا akunte dumuni ke kasoro ama dumuni boye ka inongo malaiko manu ba ke chumina mo chama me dumuni ka bi position me abe dumuni ka la position mai abe nongo malaka dumuni ke do era be la ka dumuni ke obe la obe jimi ala kirako sallallahu alaihi wasallam kwanka na sonko ke abadan wa kul mimma yalik na me dumuni ke fana kwanga na dumuni ta yorobe ay dumuni ke dumuni min ba nye fe sadi ke o fure mije be dumuni ke katra se fo dumuni banro la me ka dumuni ka bolu bla dumuni nye fe ala kira sallallahu alaihi wasallam akme anfara ka boma ani ibn abbas al barakatu tanzilu fi wasati taam kwanga na dumuni damne dumuni chema fana ne suma tasa sigila ka dumuni damne suma chema ko suma baraka be chema li ni ka damne chema ebe suma baraka takabwala ka baraka do anga suma na alamu kelain oloko san rasul sallallahu alaihi wasallam faqulu min hafatay wala taakulu min wasatihi ay dumuni ke suma dagulo la kata chema man kana dumuni ke suma chema ko o mai o tala kra jogodo yi wa ati allah wa ati ur rasul wa hazaru ay jija kalo baraka mane an jogo dota alakira jogola mukoson shlama chamambe alakira kumafo wala taakulu bishimalikum akana son ka dumunike nanu mamboloi shlama chamambe bi peut-être o bakela o malon me ankan kan yero kolosi ankana dumunike nanu mamboloi wala tashrabu bishimalikum akana son fana ka jimi nanu mamboloi ni best la mo ya jogo doi ambakela me nasaraw ta civilisation no ka dama mais ajaban li muslim slamata ko le kagbele ale be mogomu ye be ko mun ke ale bo le ke mais ya dine ko be seben no atino ko do ke ka hakli nyima dine ni aw bela jeni ma alam mo kelain wa zaru fa in tawallaytum fa lam anama ala rasulina al balagul mubin fon fembe aywa ni alakira ko la sama anya kolosi tibata limamu wajulikela olutay kuma lasele sete oluye ka hakrinman diama alamo kelanye oloko san rasul sallallahu alaihi wasallam sana ambena yakuma laban akuma fo al khairu fiya ko hera bene muhammadura nene ka fenfen fo anyene ayo ke hera bene la wa fi ummati ne manton fo na hera bola mogo mogo mane ala kira soso ni kane atrasra ke hera fana bila ka hera ke an yirala ala mo kelain ila yawmil qiyama foka trase kiyama wulima ala kira kunan tugula leko hera bana hera banya ko bela jinna wa min huna aqul astaghfirullah li wa lakum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شيخ رشيد سير On lance la louange à Allah.
Le miséricordieux par essence et par excellence. Chers frères, chers sœurs, Dieu nous a donné un mois de Rajab. Il a ordonné de respecter ce mois-là. C'est pour cela, chers frères, chers sœurs, thème que nous avons choisi aujourd'hui pour vous donner, ce sont les comportements des musulmans au cours de la nourriture. Un musulman, quand il doit manger, il doit faire comment? Un musulman, s'il veut boire, il doit faire comment? C'est un défaut dans notre communauté. C'est un défaut. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus l'interroger. Oh, les messagers, quand on mange, chez nous, on n'est pas rassasié. Pourquoi? Le prophète a dit simplement, c'est un docteur. Il dit oui, parce que quand vous mangez chez vous, vous ne mangez pas ensemble. Quand on mange individuellement, par rapport, tu trouves qu'il n'y a pas la baraka dans nos nourritures. C'est à nous maintenant de voir. Si on mange, le Coran dit, quand vous mangez ensemble, vous n'avez pas de péché. Quand vous mangez individuellement, vous n'avez pas de péché. Mais il a commencé, quand vous mangez ensemble, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce côté il a pris dans sa vie. Il mangeait avec les sahaba, il mangeait avec les gens de Sofa. C'est ça qu'il a laissé comme les consignes pour nous. C'est à nous maintenant de revoir. Dès que le gars est venu le voir, ah, nous, quand on mange, on n'est pas rassasié. Le prophète dit oui, je ne suis pas chez vous, mais je me semblais que vous mangez individuellement. Le gars a dit oui, c'est vrai, je mange seul quand je suis chez moi. Cela, il dit, vous mangez ensemble, il y a la baraka dans votre nourriture. Chers frères, chers sœurs, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand on se regroupe pour manger, on ne doit pas commencer à manger sans invoquer le nom de Dieu. Bismillahir Rahman Ar-Rahim. On doit commencer avec le nom de Dieu. Mais c'est dans la causerie. Nous, on commence à manger dans des choses que Dieu n'a pas demandé. Le prophète n'a pas donné des consignes. C'est ça, nous, on commence. Non, non, non. On commence avec le nom de Dieu. Que Dieu met la baraka dans la nourriture. Chers frères, chers sœurs, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fini. Il continue. Il dit, un croyant, un musulman, il ne doit pas manger quand il est adossé. Un musulman, il ne doit pas manger quand il est couché. Aujourd'hui, les musulmans, ils ont tous ces comportements. Tu trouves un musulman parce qu'il est grand, il est chef de famille, ou il est riche, quand il mange, il doit s'adosser pour manger. Non, non, non. Il faut respecter la nourriture. La nourriture a des comportements qui demandent. Il faut être bien positionné pour manger. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, un musulman ne doit pas manger avec la main gauche. Et vous voyez aujourd'hui dans notre société, il y a beaucoup de musulmans qui mangent avec la main gauche, qui boivent avec la main gauche. Et ça, ce n'est pas recommandé. Le prophète dit, quand vous mangez avec la main gauche, ça ne vient pas des prophètes, ça ne vient pas de Saint-Coran, ça vient de Satan. C'est Satan qui mange avec la main gauche. Quand Satan veut boire, il boit avec la main gauche. Nous, on doit faire très attention à ses côtés. Ses comportements aussi, c'est beaucoup aujourd'hui entre nous. Les musulmans doivent faire marche arrière pour regarder certains comportements. C'est très grave et quand tu te fais du mal, que Dieu nous rende intelligents. Chers frères, chers sœurs, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-khayru fiya, si vous me suivez, tout ce que moi j'ai fait, il y a bonheur dedans. » Si vous écoutez les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce bonheur, même pour manger, il a donné des consignes, c'est le bonheur. Si vous comportez comme prophète, vous aussi,
vous allez vécu dans la vie avec beaucoup de bonheur jusqu'à le jour du jugement. Que Dieu nous rende intelligents, que Dieu nous donne la compréhension, surtout la compréhension de notre religion, des comportements des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Wattabi'u nura lezi unzila ma'a ». On doit suivre le prophète, on doit suivre le Coran. Fallahu nuru samawati wal ard. C'est Dieu qui est la lumière des cieux et la terre. Wal Quran nur. Le Coran aussi, Dieu nous a donné comme la lumière. Wal Nabi lezi ja'a bil Quran nur. Dieu a donné Saint Coran à notre messager pour venir nous donner. Ça aussi, c'est la lumière. Fa'ajaban li amri l'umma. C'est étonnant. Problème de la communauté musulmane. Rabbuha nur, leur Seigneur, est la lumière. Wa nabiyuha nur, votre messager, est la lumière. Fa'kayfa tarda li nafsiha an ta'isha fi zulumat. Comment la communauté musulmane peut accepter de vivre dans l'obscurité? Ça, ce n'est pas normal. Chers frères, chers sœurs, Ibn Abbas, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata. Il dit, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la communauté, ma communauté, erreur, Dieu pardonne. Erreur, c'est une humaine. Dieu dit encore, wa nisyan, oublie, c'est pardonner aussi, Dieu pardonne. Si on est forcé pour faire telle chose, là Dieu nous pardonne. Mais ce qu'on a expliqué aujourd'hui comme le comportement, je crois que Dieu ne va pas nous pardonner tant qu'on n'a pas appliqué ce comportement. La nourriture Dieu nous a donnée, on doit vraiment être reconnaissant en Dieu. Ce que Dieu demande pour utiliser la nourriture, pour manger la nourriture, nous, on doit suivre ce comportement, Inch'Allah. Ambe Allah Ta'ala Dali, Kanya Wajulini Amentlo Dama Alamo Kelain. Ambe Allah Ta'ala Dali, Arajaba Kalofana Dilama, Abunyako Dama Alamo Kelain. Ambe Allah Ere Dali Fana, Bunya Mumbe Kaloni Konoko, Bunya Dama Alamo Kelain. Djogo Mumba Konoko Dama Alamo Kelain. Sutra mumba kono ko dama ala mo kelain juma baraka ka dama ala mo kelain juma korota ka dama ala mo kelain anya banabato ka no ya ko ye ala mo kelain anya sabato ka hino la ala mo kelain anya tama ba ko ya tama sraw no ya ala mo kelain anya jamana ka no ya ala mo kelain jamana nyemo ka fanse ala mo kelain jamana de on yara ka sabali doma ala mo kelain. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة.
Bon, j'ai retenu qu'il y a certains comportements que nous adoptons pendant que nous mangeons qui ne sont pas de nobles comportements à adopter. Ce ne sont pas les comportements que le prophète a eu à adopter. Et aujourd'hui, j'ai retenu que ces comportements-là, nous devons les bannir pendant que nous sommes à table, en famille. Et que retenu surtout qu'il ne fallait pas manger individuellement. C'est vrai que c'est pas, il n'y a pas de méfait, mais c'est favorable et bénéfique de manger ensemble. Nga fami famia mwalimu kami fanye bi asalamika wole kera kwa nga na dominika na mburu juye silama ni be dominika e dominika ni buru nyumaye wole kan baraka be wole ra anku digu muhammadu sallallahu alaihi wasallam tumina obe dominika ni buru berawle donc anga ka bu dominika na mburu kray bale silama be ni be dominika e dominika ni buru beray. Le sermon de ce vendredi, c'était bien. J'ai retenu que l'islam, on doit savoir comment manger, comment boire, voilà, pour bien de l'islam. Elle m'a dit que c'était un peu de temps. Quand on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. 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 Kwanya mabora mi sabrebeye anyuta kasuma suma mbonya suma manga kadoya suma ndoya mandale anya suma ndon kanya ka adamna tasadara kawachema kini burubla banyebe mi bwana kutubaro ala amendro dama ala amendro deni bema. Ben ça a été beaucoup instructif, il faut reconnaître que ça a été instructif, c'est un rappel à la veille du déjà du mois de carême qui arrive. Je nous rappelle sur ce que la nourriture, il faut respecter. Il faut le dire, bismillah, avant de manger. C'est vraiment un appel. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant et puis très bref aussi pour la compréhension. Les choses qui ont été choisies ont permis vraiment aux gens, à tout le monde de comprendre. C'est ça qui est l'intérêt général. Le sermon, il est d'actualité. Nous sommes dans le mois de Rajab. L'imam, il a voulu faire retenir l'attention des musulmans sur ce qui convient dans le mois de Rajab. Parce qu'après Rajab, quelques semaines après, nous allons rentrer dans le mois de Ramadan. Donc il faut déjà commencer à préparer les imams et les musulmans par rapport à cela.